Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Wartale. Et on s'était laissé, il fallait qu'on rentre s'occuper des gardes du marchand. Parce qu'il faudrait peut-être penser à le faire en fait. Mais il me semble qu'on était loin. Il me semble là que c'est ça qu'on avait des coups à Cortia. La mission la compagnie de Rogène vient d'expirer. Oui, elle avait 24 heures. Et ça fait un peu plus de 24 heures que j'ai tourné l'épisode précédent, c'est vrai. Donc ça a continué de défiler, d'accord. Intéressant. J'avais acheté tout ce qu'il fallait ici ou pas? J'ai un doute. Oui, j'avais tout acheté. On peut partir. On peut sortir de là. On peut s'éloigner de là. Et, ah bah bien. On peut vous verser, hop. Hop, hop, voilà. Bon, c'est bon, on peut commencer. On peut retourner. On va retourner directement là où il y a la mission. Je pense que ça va être ça aujourd'hui, l'objectif. Ça va être de s'occuper des hommes des marchands. Et comme ça, peut-être débloquer des nouvelles choses. Parce que j'avoue que je ne serais pas contre avoir des... J'ai pas envie de les affronter, eux. Avoir des choses liées, liées aux marchands, au commerce. Comme je vous le disais dans les épisodes précédents, c'est vrai que des fois j'aime bien juste chill un peu. Et on va essayer de se dépêcher d'y retourner. Il faudrait que je calcule la rentabilité de ce voyage. De faire Cortia jusqu'à la ville d'en haut. Voir combien ça me coûte en termes de nourriture et de soldes et combien ça peut me rapporter. Voir s'il y a vraiment un intérêt. Se faire les quelques allers-retours. Surtout maintenant que j'ai le bonus de 10% en marchant. Bref, ça va être des choses à étudier encore, ça. Parce que techniquement... Il me semble que je peux y arriver en un dodo. Regardez, là je vais arriver à la ville du départ. D'ailleurs, est-ce que par rentabilité, ça serait pas intéressant de dormir à la ville pour ne pas gâcher de nourriture ? Vous voyez ce que je veux dire, pour que le voyage soit totalement parfait. Sauf que dormir à la ville, ça inclut que j'ai pas du tout tous les bonus du camp. Et ça me coûte plus cher. C'est des choses qui se calculent. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez fait un gameplay un peu plus commerce. Est-ce qu'il me faut autre chose ? Ça j'ai, des pots j'en ai quelques-unes, ça j'en ai aussi. Si vous avez fait un gameplay un peu plus commerce, et si vous avez réussi à trouver du commerce rentable entre certaines villes, n'hésitez pas à me le dire. Je suis très curieux de savoir si cet aspect-là du jeu est vraiment développé. Ou si ça se résume principalement à du combat pour être rentable. Parce que là, nous, depuis le début, on est vraiment parti sur du gros combat, une compagnie qui est spécialisée dans les primes. Mais je serais bien curieux de savoir s'il y a moyen de finalement de parcourir le jeu et d'être rentable autrement. Bien qu'on soit quand même obligé de faire pas mal de combats pour avancer l'histoire, bien évidemment. Il y a des cochons pas loin, je veux juste m'éloigner, voilà. Juste s'éloigner, on va manger de la viande cuite avant qu'il nous fasse encore un cinéma. Trop, voilà. Parce que vous voyez en fait ici, l'important c'est déjà que je gagne ça, un peu d'honneur, enfin d'influence. Et ici, je gagne de la viande séchée et des matériaux bruts que je gagne pas quand je me repose à l'auberge. Mais je serais curieux aussi de savoir s'il y a moyen d'avoir une charrette
pour vraiment booster mes mon poids portable. Parce que là, je peux avoir des sacoches sur mes animaux, mais est-ce que je peux avoir une charrette? Tellement de questions sans réponse. D'ailleurs, j'y pense, mais l'ours. Attendez, il faut qu'on vérifie un truc là. L'ours, je l'ai pas équipé de quoi que ce soit. Bah non, et j'ai pas d'équipement pour animaux. Je les ai plus, mes équipements pour animaux. Bah non. Tu peux pas me fabriquer un petit truc. Plus de transport sur l'ours, non. Ah, plus de critiques. Mais en fait, c'est ça qui serait bien. Le collier bardé de lard. Cette unité peut être contrôlée au combat et contrôler l'ours, ce serait fou. Ah, j'ai même pas fabriqué celui-là. Oh bah attends. Voilà. Tac. J'ai d'autres choses à fabriquer. Le collier, oui, mais je peux pas. Ah oui, j'ai pas fabriqué les dés. Ça c'est fait. Et le jet de dés génère plus 2 de bonheur à chaque repos si deux compagnons sont assignés. Alors je suis pas sûr d'assigner des compagnons, mais on peut me poser ça. Et j'espère que vous n'entendez pas mon voisin qui a décidé de jouer de la perceuse en plein milieu de l'épisode. Ce qui est agaçant quand ils ont un mauvais timing. On va mettre bah toi là. Hop là, tu vas venir jouer. Et toi là. Aïe, aïe, oui. Mais mets-toi en face, ça sera plus logique. Voilà. Ok, l'ours, on va t'équiper de ça. Est-ce qu'on est bon? On a un point de level up. Course d'endurance, durée de la course augmentée. Bon, bah, on va rester là-dedans. Hein. Voilà. Et on va essayer d'aller se faire ce combat. Et c'est une horreur, cette perceuse. Mais comme c'est un bruit un peu étouffé, avec un peu de chance, vous l'entendez quasi pas, oui. Il est bien lissé. Je sais pas, faudra que j'écoute le retour moi aussi. Aïe aïe aïe. On arrive à la ville. Surtout que là, mon voisin, c'est en pleine semaine. Oui, on pourrait se dire il fait les travaux le week-end et tout ça, mais non, justement, je tourne mes épisodes en pleine semaine en me disant les gens sont au travail, donc ça me permet d'être plus tranquille, mais non. C'est fou. On va vendre tout ça. Voilà, c'était l'instant où je raconte ma vie. On va vendre, on va vendre, on va vendre. On va vendre ici. Hop, récupérer tout ça. Voilà, on s'est remis à 2100. Ça me paraît quand même plutôt rentable. Pas comme ça à première vue. Après, il faudrait que je calcule exactement combien je me fais et tout ça. Peut-être je noterai au prochain voyage. Bonjour messieurs. On est ici pour vous péter les dents. Rien de personnel. Rien de personnel, on nous l'a demandé. Alors, tu nous dis quoi? Tu nous dis que vous êtes 4 ici, que vous êtes 3 ici, que vous êtes 3 ici et que vous êtes 3 ici. Le compte est bon. C'est toi le chef? C'est toi le chef. Ok, donc il faut que je chope le chef. Il faut que je chope le chef. Le chef, beaucoup de vie ou pas? Ouais, pas mal. Et t'as quoi? Inflige. Les dégâts sont augmentés si cette unité est engagée. Ah, d'accord. Donc toi, t'as un truc qu'il faut pas t'engager. T'as un truc qu'il faut pas t'engager. Ça tombe bien, tu vas avoir cléric. Eh oui, mais si je t'engage pas, tu donnes un bonus à tout le monde de dégâts augmentés de 30%. Et donc finalement, il faut t'engager. C'est beaucoup plus intéressant. Mais tu vas mettre cher. Donc il faut quelqu'un pour te tanker, ça sera moi. Quelqu'un qui va devoir t'encaisser. En fait, l'idée serait peut-être de se décharger de tout ce groupe-là. Et de se placer
Je pourrais jamais placer tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, je pourrais pas placer tout le monde. Ce qui m'embête un peu. Parce que du coup, j'aurais un groupe qui serait là. Est-ce que je peux me permettre d'avoir un groupe qui serait là? Si on imagine qu'on a Rao et Vett avec Nounours. On est pas mal. On a Lorar en plus qui peut tankouiller. On pourrait leur mettre Joren. Et moi, je suis avec le groupe Full Lance. Full Lance et Ewin. Ce qui peut nous permettre de massacrer assez vite des gens. On va faire ça comme ça. Hein. Ça me paraît bien, même si la séparation me plaît pas trop, on n'a pas le choix. Allez. Moi, je vais chercher lui. Alors lui, ça serait bien de le fumer très vite. Donc dans l'idée de le fumer très vite, je vais me mettre là. Je vais me mettre là et je vais immédiatement l'engager. Et est-ce qu'on se met de la défense? Non, on n'a pas besoin pour l'instant. Ça, c'est fait. Ok, Rao qui a déjà quasi perdu toute son armure, ça va pas m'arranger. Et Rao, tu ne vas pas jouer, non. Toi, tu ne m'intéresses pas. Par contre, il y a toi qui... Tu joues tout de suite. Et si toi, tu viens, par exemple, que tu lui fais ça. Voilà, pour lui faire sauter tout ce que tu peux. Puis là, tu lui mets un coup. Puis là, attaque d'opportunité. Il est déjà plus qu'à 65 PV. Sachant qu'il va avoir le poison qui proc. Bon, il va jouer une fois, mais il rejouera pas. Je l'aurais tué avant. Voilà, il me fait mal. Il a pris 46 du poison, ce qui est assez insane. Là, ah mince, je voulais aller engager celui du haut. Je pourrais pas, donc je vais engager celui du bas. Voilà. Dans le doute, je vais mettre ça, parce qu'il y a assez de monde autour, comme ça. Un peu de protection, si jamais on est frappé. Ici, toi, tu vas venir là, tu vas l'achever. Et tu vas venir en renfort ici. Ok, on pourrait gérer en bas maintenant. En haut, c'est plutôt propre. Il était nul ton arc. Voilà, merci Nounours. Ah, j'avais pas vu. Les unités compagnons ont rivalité quand elles sont engagées. Ah oui. Rivalité dégâts subis causés par l'adversaire engagé réduite 50%. Ah oui, donc c'est ça, faut vraiment que je tape avec d'autres gens. C'est des compagnons. J'arrête pas de me mettre les compagnons à dos. Pas la meilleure des idées. Cudding, tu vas venir là, tu vas faire splooch, et tu vas faire tu joues pas. Parfait. Là, il y a deux archers qu'il va falloir que je gère assez rapidement. Ici, tu vas venir pareil en renfort, et on va essayer de se focus peut-être sur celui-là. Comme ça, on se prend un point. Quoique... Si, tu peux te caler là. Voilà, et comme c'est un lancier qui fait sauter l'armure, c'est parfait. Là, on a un archer, mais il est trop loin pour agir. Et là, j'ai mon archer. Mon archer qui pourrait peut-être faire ça, ça. Dire toi, tu recules. Ah, ils viendront jamais se mettre à portée. Ici on va faire ça comment? Toi, ça serait bien que tu viennes m'engager l'archer là. Voilà. Bien évidemment, il prend rivalité, mais l'archer c'est pas bien grave. Lui, il me fait un peu peur, je pense qu'il va arriver. Non, ouf, tout pile. Tu engages du coup le tueur. Et là, ils sont bien calés pour Vett. Tout le calcul était là. Il fallait les poser pour Vett. Hop. Là, Vett arrive. Et elle dit bonjour. Je suis ici. Elle se retourne. Elle leur fait pifou. Parfait. Et il y a même un
move ou elle avance. Ah non, je pensais qu'elle aurait assez pour mettre Kourou. Zut. Eh ben tant pis. tant pis. On est bien. Jorène, tu vas aider l'ours. Du coup, tu vas faire ça parce que c'est ton premier coup qui va faire très mal. Et là, tu vas l'achever. Comme ça, Nounours va être tranquille. Lui va pouvoir jouer et tu vas aller lui offrir une cible. Même si t'as déjà plus d'armure, du coup. C'est dommage. Ah, c'est le problème de Raudrel. Il manque d'armure. Il y a lui qui va jouer. Lui qui va jouer, mais en soi, ça m'arrange pas. Là, on va plutôt faire ça. Ça. Voilà, il faut absolument que je me dégage des unités pour pouvoir aller engager. Ok, ici, de toute façon, vous êtes engagé, donc toi, tu vas venir ici. Tu pourrais nous faire une petite ovation. Voilà, comme ça, Rao a contre-attaqué, c'était pas fou, mais... Ici, tu vas engage ça. Ok, il y a tout ce paquet qui arrive. Il va absolument falloir gérer ici. Moi, je suis bloqué. Toi, tu vas venir ici. Tu vas venir faire ça. Pourquoi ? Parce que comme ça, ça va laisser la place à mon personnage de passer. C'est vrai qu'on pourrait finir ici, en fait. Bon, allez, on finit ici. Ah oui, je fais 0 dégâts, oui. Ah, ça va être long. Un archer qui, lui, va pouvoir tirer, bien évidemment. Donc lui, là-bas, va jouer. Donc l'idée, c'est de venir là, même là, et de faire ça. Voilà, l'ours, faut que tu viennes en renfort de Rao. Ah zut, t'étais à une case. Toi, tu vas venir, oui, mais lui n'a pas d'armure, voilà, faut que tu viennes là. Et que tu t'en prennes à lui d'abord. Hop, attaque d'opportunité, voilà. Il y a 8 stacks de poison, ce qu'ils devraient enlever dans les 50 et quelques, peut-être 60. 60, donc il faudrait... Non, il faut surtout pas le... faut surtout pas qu'il bouge, en fait, voilà. Tac, alors là, ça devrait être large. Il va jouer, et avec un peu de chance, il meurt du poison. Oh bah, en plus, il y a une contre-attaque. 47, voilà. Là-bas, tout est géré, tout est engagé. Il n'y a que lui qui n'est pas engagé, mais il va forcément venir là. Ici, ici. C'est qui fait sauter l'armure ? Mince, je crois que c'était Cléric. Oh, je sais plus. On va faire ça. Toi, tu vas direct sur l'archer. Parfait. Bon, la séparation était pas si mal, hein. J'ai quand même bien équilibré les forces des deux côtés. Et dire en bas, ça manque un peu de punch, mais il y a Vett, qui est mon meilleur DPS en soi. Là, j'ai peur de le décaler, en fait. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Il faut que je vienne là pour gagner le petit point. L'archer, tu vas me repousser celui-là. Lui a mis vulnérabilité, je le recule un peu. Là, l'archer va tenter le tir. Et c'était bien joué. Toujours une bonne chose de tirer dans le dos de ses coéquipiers. Je crois que c'est Cléric qui fait sauter le... On va voir. Non, c'est pas Cléric.
On va interdire tout de suite le gros là. Là, j'avais anticipé, je m'étais protégé. Ici, comment on va gérer? C'est toi alors? Oui, c'est toi. C'est toi, donc tu vas venir faire ça. Tac. Comme ça, lui a plus de garde, même s'il en avait déjà quasi plus. Et tu vas venir finir ici pour un petit point supplémentaire. Toi, t'es occupé. Toi, bah toi tu vas pas l'interdire de jouer, tu vas déclencher le combo en fait. Voilà, paf, il bouge, paf, il reprend un coup. Hop, avec ça derrière. C'est bon, tu génères ton point. Ici, Ewin, tu peux venir et faire pif, paf, pouf. Et c'est largement suffisant. Il va mourir du poison quoi qu'il arrive. Voilà, je préfère éliminer un de plus. Le bas est un peu plus compliqué à gérer, mais c'est pas grave. C'est pas grave, bon, ici je peux faire ça pour l'achever. Ici, on va juste l'entamer doucement. On peut pas faire grand chose de plus en fait. Parce qu'on s'est un peu bloqué, il y a trop de monde devant. Voilà. C'est toujours 42 points d'armure en moins. Et là, je vais pas taper. Bon, Vette, va falloir que tu te bouges. Voilà, parfait. C'était ça l'idée. Parce que là, on est plutôt mal. Là, on va aller faire ça. Comme ça, tout le monde est engagé. Ici, oui, on va mettre des coups, hein, tant pis. On gâche un peu les points, l'ours. Oui, j'ai cru qu'il se barrait. Rao, t'es dans la merde, on va pas se le cacher. Joli. Joli, ça fait deux flèches dans le dos de ton pote. Hein. A priori, vous étiez pas très très pote quand même. Lui, il va me gêner. Il faut absolument que je m'en occupe très vite. Ici, on va le laisser retirer. Peut-être une troisième. Comment on va gérer ça, Vette, mais tu n'as pas de points. Il me faut un point. Il faut que je génère un point. Il faut que je génère un point. On va faire ça. Voilà, juste pour générer un point en fait. Vette, tu viens. Alors attends, faut pas que tu tapes Nounours. Tu viens faire ça. Voilà. Tu viens faire ça. Voilà. Ah, il tente pas le diable. Il est devenu raisonnable. Tant pis, on l'achève nous-mêmes. Si on peut même plus compter sur les ennemis pour se tirer dessus. Hop, arrête de te retourner. C'est par ici que ça se passe. Ah, eux, ils en auront chié. Hein. J'ai envie de désengager Rao. Mais on va se le gérer juste avec une protection. Ouais, je vais manquer de punch pour achever cela.
Allez, nounours, vas-y, c'est ton moment. Allez. Oh, plus, ça aurait été bien. Ici. On va venir là. Voilà. Ça nous fait un point. Et ça, c'est fait. Ok, la galvanisation va peut-être m'aider à gérer l'autre côté. Malheureusement, ici, vous êtes beaucoup trop loin pour faire quelque chose. Mais j'ai des points. C'est lui qui va jouer. Eh ben non. Parfait, Rao est sauvé. Alors faut que je fasse attention, faut pas oublier que Rao il peut force engage. Ce qui serait potentiellement malvenu pour moi là. Je l'ai mal calé là. Voilà. Voilà. Ah non, je vous laisse pas vous enfuir, vous m'avez engagé. L'ours arrivera jamais à temps. Rao, ici, comme je l'ai dit, il peut force engage, donc... Donc il force engage. Pourquoi ? Parce qu'en force engage, il gagne un point, ce qui lui permet de faire ça. Zut, j'espérais qu'il soit mort. Ah bah parfait. Je pensais que l'ours était trop loin. Parfait, nounours. Beau combat. Allez, ça en prend. Ça en prend. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et rien d'intéressant. On va peut-être pas gâcher à 2 mètres de la ville. Il nous faut l'apothicaire. Bonjour, monsieur l'apothicaire. Ah, tu soignes pas, toi ? Tant pis. On va soigner à la main. Tant pis. J'ai des remèdes imparfaits. Et voilà. On va tout de suite aller à la forge. Bonjour monsieur. On répare. Oui, 36, c'est rien. On va vous vendre ça, ça. Ça. Est-ce que je le vends ça ? Ah, faut que je regarde si c'est pas mieux. L'arc. Il fait quoi l'arc ? Tir mortel, inflige à la cible, les dégâts sont augmentés. Ah oui, ça repousse pas. Attendez, là, il y a réflexion. Là. Il est où mon archer ? Il y a réflexion parce que repousser, des fois, c'est chiant. Là, on a un 21-38 avec tir vicieux. On aurait un 24-43, donc on reste dans la même idée. Si c'est une cible qui a moins de 35% de sa santé, ça fait encore plus mal, histoire d'achever les gens. Et ça, ça pourrait être très bien. Je pense qu'on va échanger d'arc. Ouais. Et là, on a une armure brigandine. Est-ce que Rao... Toi, t'as 32-18. Ah ouais, tu perdrais un tout petit peu de garde. Tu perdrais 2% de garde, mais tu gagnerais max armure. On va clairement te mettre ça, c'est beaucoup plus rentable. Parce que Rao, tu t'es très vite à court d'armure, en fait. Par contre, du coup, là, on a une bonne armure intermédiaire qui pourrait peut-être aller sur cléric. Non, tu perdrais... Ah bah, t'avais déjà une brigandine des compagnons. Je leur avais déjà piqué un truc. Toi peut-être ? Non. Ah oui, mais c'est un truc niveau 2. Ah oui, je lui avais jamais changé. Ah oui. Oui, je suis méchant. On va tout de suite te vendre ça, ça et ça. Voilà. Et là, on est un peu mieux équipé avec Rao. Il faut aller voir la marchande.
Tout me semble parfait, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Vous pouvez annoncer à votre employeur que je suis prête à revendre ses biens n'importe quand. Eh ben voilà. J'ai envie de dire, si ça c'est pas merveilleux, je vais t'acheter tout ça. Puisque je vais voyager de toute façon. Ok, donc il faut retourner à la première ville pour... pardon, c'était pas ça. Pour valider. Eh ben écoutez, nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.